Je tourne cette vidéo le même jour que la vidéo avec Cindy en fait. Je sais pas si c'est cette vidéo qui va sortir en premier ou si c'est l'autre, mais voilà, je pourrais pas prévenir le. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spéciale Noël, lol. Je vous ai fait une story Insta pour que vous me racontiez vos pires cadeaux de Noël ou vos pires Noël. Je pensais faire plus de vidéos sur le thème de Noël, mais en fait, j'avais pas vraiment d'idées. J'ai plus de vidéos qui vont arriver après Noël. Il y en aura vraiment beaucoup. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo comme ça. Voilà, du coup, bah c'est parti. J'avais 6-7 ans, j'avais peu mangé parce que je coupais le vibreur, merci. J'avais 6-7 ans, j'avais peu mangé parce que je me sentais mal, mais je le disais pas. Ma soeur m'avait frappée comme d'habitude. Je suis désolée pour toi, vraiment. Donc j'avais des petites égratignures, mais ça me faisait mal. Avant qu'on aille se coucher, ma mère m'avait brûlé avec une cigarette. Je suis vraiment désolée pour toi, genre. Voilà. Et genre, on m'avait offert une genouillère, ouais, bon, c'est un pyjama en entier, bref, voilà. Sauf que c'était deux voire trois tailles en dessous et je pouvais pas déplier mes jambes, tu vois. Putain, ça doit être trop horrible. Déjà, moi, quand j'ai un vêtement qui me va un peu serré, je suis tellement pas bien, genre. Mais genre vraiment mal. Mais ma mère ne me croyait pas. J'ai pleuré une voire 2 heures dans mon lit sans pouvoir me calmer, sans pouvoir me mettre droite du coup. Et ma soeur qui dormait dans la même chambre que moi. Et genre limite elle m'insultait parce que je pleurais. Mais c'est quel genre de famille? Ouais, tu me diras, il me serait peut-être arrivé la même chose, ce serait peut-être passé pareil. Mais bon, c'est quand même genre. Ah, ça fout la haine, tu vois, genre. Enfin bref. Il y a un moment je me suis sentie. Genre, je sais plus comment on dit, mais j'étouffais, j'arrivais plus à respirer, c'était horrible. J'essayais de me lever, mais j'y arrivais pas. Et là, je commence à cracher, genre, tu craches au KLM. Genre, je crachais sans le vouloir, j'étais au bord du malaise. J'ai toujours ce sentiment horrible. Et à un moment, ma soeur en avait marre, alors elle a appelé ma mère, j'ai pu enlever la genouillère. Je crois que j'ai fini par vomir. Voilà. C'est horrible! Genre, ça doit être terrible. Genre. Et t'avais pas le droit de l'enlever? Genre. T'as, mais genre. Je sais pas, genre. Quand un gosse dit qu'il y a un vêtement qui lui va pas, il va pas faire semblant. Genre. Bref, du coup, je suis désolée pour toi. Et dis-toi qu'il y aura des Noëls meilleurs. Yes! Bonne ambiance. Non, en vrai, voilà. J'espère que tu as quand même eu des Noëls meilleurs. Parce que sinon, c'est triste. Bref, anecdote suivante. Quand on m'a acheté deuxième fois le même cadeau et qu'au final on a passé le deuxième à quelqu'un, je le voulais moi. Des rideaux. Bah ouais, bah c'est pas trop mal, hein. C'est original. Bah j'espère qu'ils étaient beaux au moins. M'offrir un paquet de frites. Non, mais après, il y en a qui reçoivent des chocolats, d'autres des paquets de frites. Why not? Le pire Noël, premier Noël sans mon père. Je suis désolée. Genre, ça doit être terrible, genre, d'avoir quelqu'un de sa famille qui décède et de passer le premier Noël sans lui. Enfin, genre, j'ose même pas imaginer en fait, mais ça doit être terrible. Pire cadeau, un stylo 4 couleurs. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mon pire Noël, bah c'est en fait chaque année tout simplement parce que je suis malade à chaque Noël RIP. Ah ça c'est chiant, genre. Genre tu vois, tu tombes malade juste quelques jours avant Noël, là t'as la crève, t'es enrhumé, t'as mal à la gorge. Ça sent le vécu? Non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. On va faire du vernis à moi, oui. Courage, je te soutiens.
Le pire Noël, c'est quand ma mère s'est disputée avec ses parents, depuis elle les voit plus. Ça c'est terrible, genre les disputes entre genre les grands-parents et les parents, genre je crois que c'est l'un des pires trucs qui peut arriver, surtout quand t'es présent, tu vois. Genre moi une fois, genre j'avais été en vacances à Nice chez ma grand-mère, parce que bon bref j'ai plein de famille à Nice, parce que ma mère elle est née à Antibes, c'est près de Nice, bref on s'en fout. Et genre on avait été chez elle une semaine, et genre je me rappelle ça partait tout le temps en vrille, genre. Genre, et le dernier jour, bah, ma mère a eu une grosse dispute avec ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère devait venir passer quelques jours chez nous. Et finalement, elle n'est pas venue. Elle est allée chez ma tante, genre chez la sœur de ma mère en fait. Et depuis, on lui a plus jamais reparlé. Il y a pas longtemps, il y a genre 2 ans, elle est morte. Et genre, la dernière fois que moi je l'ai vue, c'était sur une dispute. Elle nous avait insultés, moi et ma mère. Bref. Bonne ambiance, bonjour. Sinon, le jour de mon anniv, on m'a offert une fourchette. Ça peut servir. Ah, on sait jamais. Un jouet Reine des Neiges. J'avais 11 ans, je déteste. Et je déteste depuis que je suis toute petite la Reine des Neiges. Bah, yes. Oh ma pauvre, mais après genre, après je sais pas quel âge tu as. Ah t'avais 11 ans. Ouais, 11 ans, on t'offre un jeu Reine des Neiges, surtout si t'aimes pas le film. Après moi genre je sais que j'ai découvert le film Reine des Neiges, j'étais en 6ème donc, et c'était devenu mon Disney préféré. Et j'avais 11 ans je crois. 11 ans ou 12 ans, je sais plus, maintenant 11, je sais plus, non 12. Bon bref. Ça pourrait être pire. Après, ça dépend ce qu'on t'a offert, tu vois. Bah, une housse, deux coussins dégueulasses. Ah, et une orange aussi. Orange. Genre, je crois que c'est déjà arrivé à ma mère qu'à Noël, elle ait reçu une orange. Attendez, on va aller lui demander. Maman, c'est pas toi qu'à Noël, tu m'avais dit qu'on t'avait déjà offert une orange. C'était toi ou pas? Non. D'accord. Du coup, voilà, c'est la fin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est pas une vidéo ouf. C'est pas le concept du siècle. Mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Pas vraiment, vu que c'était vos pires cadeaux et tout ça. Mais si on doit retenir une leçon de tout ça, c'est que vous aurez des Noëls meilleurs. Et que si c'est pas le cas, ben ça dure que 2 jours. Parce que, enfin, je sais pas si vous comptez Noël jusqu'au 25 décembre ou genre 24-25, je sais pas. Mais pour moi, c'est Noël, c'est 24 et 25. Mais voilà, dites-vous que ça dure que 2 jours et qu'après c'est fini ou jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'année d'après. Et voilà, c'est juste 2 jours à supporter et après ça ira mieux, ça revient normalement. Donc voilà, dites-vous que ce sera pas toujours comme ça. Et voilà, souriez à la vie parce que la vie est belle. Bref, bisous, je m'envole et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, bah, j'allais dire à vous abonner à ma chaîne. Bah oui, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez Noël. Si vous aimez pas Noël aussi d'ailleurs. Bref, mettez un like si vous m'aimez, lol, parce que j'ai besoin d'amis. Bref, et voilà. Dites ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos de ce style. Ah, moi je sais pas. Hein. C'est vous qui voyez. Et voilà. Et abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux. J'ai Snap, mais je suis pas beaucoup active dessus. J'ai pas Snap sur mon téléphone en fait. Du coup, bref, voilà. Twitter. Et surtout Instagram. C'est là que tout se passe. Je le répète à chaque fois. Enfin, non, je le répète pas, mais genre, c'est là que tout se passe. Bref, bisous, je m'envole grâce à l'amour de et la magie de Noël. Lol. Joyeux Noël tout le monde.
chemin.